Culture. Avec nous Fatah Boumahdi, bonjour Fatah. Bonjour Soraya, bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Le Salon International du Livre d'Alger, tout est prêt Fatah. Effectivement, tout est prêt, alors c'est le jour J, comme vous le savez, tout est prêt, les stands des éditeurs, les nouvelles parutions, ainsi que les espaces dédiés aux conférences, débats et ateliers, ateliers pour enfants, ateliers, enfin espaces numériques, et pour cette année, le commissariat du SILA a choisi le slogan « L'Afrique écrit son avenir », comme le mentionne le slogan « L'Afrique où tout le continent africain » est à l'honneur, le patrimoine spirituel, le soufisme également. C'est une des thématiques de cette 26e édition et c'est 1283 éditeurs nationaux et internationaux qui y participent, 61 pays étrangers et aussi et surtout un programme et un espace qui ont été dédiés spécialement à la Palestine en solidarité au peuple frère, la Palestine. Et justement, écoutons à ce sujet le commissaire du SILA, Mohamed Ikerp. Exceptionnel de par la part de programme riche et dense qui a été réservé à la Palestine, pour laquelle nous avons une pieuse pensée, pour laquelle nous avons une pensée particulière au peuple frère palestinien, pour lesquels donc nous avons consacré un espace énorme, habillé, bien éclairé, bien agencé au niveau de la place étoile nord-africaine, donc qui va accueillir des conférences, des débats, des rencontres politiques, etc. Mais également un espace dédié aux artistes, peintres de l'école des Beaux-Arts. Un riche programme est proposé donc avec plusieurs thématiques qui seront abordées et en plus beaucoup de nouveautés. Effectivement, et nous rajoutons également que, enfin, l'Afrique également est à l'honneur et là nous allons écouter Benoud Al-Bdey qui est chargé de l'espace africain. L'Afrique cette année en termes de superficie d'abord au niveau du SILA est très grande comme vous pouvez le voir là et la programmation est très riche dans la mesure où nous avons deux têtes d'affiche importantes, deux grosses pointures des littératures africaines, la camerounaise Kalix Beyala et le guinéen Thierno Monenembo. Tout au long de la semaine nous allons aborder des thèmes sur la pensée africaine par exemple, sur la femme africaine aujourd'hui avec des romancières comme Maïsabé qui sera présente aussi là. La dimension africaine de l'Algérie, bien entendu. Nous avons deux hommages que nous faisons. Un à Nelson Mandela le 1er novembre. Le 2 novembre, nous aurons un documentaire d'une qualité exceptionnelle de Hassan Mezine sur justement Frantz Fanon. Et donc nous rendons hommage aussi à Frantz Fanon. Mais pas le Frantz Fanon. Ce n'est pas une rétrospective de l'œuvre de Frantz Fanon. C'est Frantz Fanon, son influence aujourd'hui au 21e siècle. Et voilà, donc l'ouverture officielle est prévue pour aujourd'hui et l'ouverture pour le public pour demain. Il faut y aller, il y a un programme très riche et varié pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc il y aura des ateliers pour enfants, comme nous l'avons mentionné, des ateliers, des ventes dédicaces aussi, de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs. Et il faut vraiment découvrir ça.